Moroccan Vapers, bonjour. Aujourd'hui, on a une review sur un matos que j'aime bien, une box que j'aime pas mal par rapport à son format et par rapport à ce qu'elle accepte. C'est la Odin de chez Vapeglass, Vapenbogen. Et fabriqué par Dovpo, qui m'a été prêté par Vape No Smoke pour faire la review. Donc initialement, j'ai emprunté la Odin de chez Vape No Smoke pour faire la review de ce petit monstre, le Aries de chez J-Test en 30 mm, parce que c'est une box qui prend du 30 mm, DNA 250C. Elle existe aussi en 100 watts normalement, elle coûte dans les 170 euros. Hop, yes, 85 watts sur 85 watts. Je peux un peu monter plus sur cet atomiseur. On va aller à 100 watts. Voilà, 100 watts. On arrive à voir, je ne sais pas. Et du coup, Vape No Smoke m'a proposé de m'emprunter aussi le Juggernaut MR pour lequel j'ai fait la review. En fait, j'ai déjà filmé la review du Aries, la review du Juggernaut, la review d'un truc assez bizarre. Et j'ai encore rien uploadé. Vous allez voir la vidéo, toutes ces vidéos seront déjà uploadées. Mais voilà, moi, je filme pour le moment. Et vu que le montage prend pas mal de temps, je monte quand je peux. Et déjà, je filme parce que j'ai emprunté le truc, c'est un truc qu'il utilise, donc il faut que je lui rende son matos. C'est bon, je l'ai assez testé, je pense que là, c'est à 2 semaines que j'ai le Juggernaut MR et la Dovpo, la Odin. Donc, je les ai assez utilisés. Bon, je pense que j'ai trop parlé à Piccolo, c'est allez. Odin, the one-eyed old father. Alors, la box Odin, collaboration entre Vapor Clouds, Vapenbogen et Dovpo. Dovpo, c'est le fabricant. Vapor Clouds, c'est elle qui nous a donné l'Asgard, machin. Et aussi, collaboration avec aussi Evolve, qui a fourni le DNA 250C. Donc, comme vous l'avez compris, on a la version 250C Black. Donc, sur la boîte, on a Dovpo, Evolve ici, Vapenbogen et Vapors Clouds. Le charmant petit logo de Vapenbogen et Vapor Clouds ici. Ensuite, on a la boîte. Voilà. Disclaimer. Déjà, alors, toutes les araflures, tout ce qu'il y a sur la box, tous les défauts esthétiques, c'est pas d'origine. La box m'a été prêtée, elle a été très utilisée par Badr. Donc, voilà. Elle n'est pas en état neuf. Sort la box. En dessous, on a un petit paquet avec des wraps. Wrap pour 21700. Donc, il y a 12 en total. Il y a 2 noirs, 2 rouges, 2 gris, 2 transparents. Voilà les noirs. Les bleus sont là. Je les ai utilisés pour rewrapper les batteries VTC6 à 21700. Pour les mensurations, donc en compteur, on a 90 mm de largeur, 51,2, je double check, 51,2, voilà, et en profondeur, on a 42,8.
On a un très beau, très très beau plateau 510, connexion 510, un peu de la forme de la box, une forme hexagonale. Le bouton ici, avec un petit détail que j'ai bien aimé, le logo de Weppenbogen, les trois boutons up and down et select, normal de chez les boutons qu'on retrouve sur le DNA et le port USB. Plusieurs me disent pourquoi il n'y a pas un port USB-C? Bah, tout simplement parce que le DNA ne vient pas avec un USB-C, il vient avec un simple port USB pour recharger, chose que je ne recommande pas de charger une telle box avec USB. Il faut beaucoup plutôt utiliser un chargeur externe et pour les updates sur le eScribe. Le corps entièrement en aluminium anodisé. Il n'y a pas d'alliage de zinc, il n'y a pas de merde comme sur les Lost Vape. Souvent, c'est de l'alliage de zinc. Là, c'est un bloc d'aluminium. En dessous, on a Serial Number, Dovpo, Vapor Cloud, Weppenbogen. Ne la jette pas. Voilà les informations habituelles. On a ce détail-là, des grooves qui sont bien gravés là, ils sont bien taillés, c'est pour aider à ouvrir la trappe d'accu. Une trappe un peu qui joue, mais ça va, j'ai vu pire. C'est bien mentionné le plus et le moins ici, les batteries sont montées en série. Et ça prend de 21 700. Pas d'adaptateur pour 18 650. Voilà. Chose que je trouve inutile sur ce, pas mal de box qui sortent en 21 700 et un adaptateur 18 650 à l'intérieur. À quoi bon? Si elle est aussi grosse que ça pour prendre une 21 700, bah, j'utilise une 21 700 directement. Un autre petit détail, donc black mat, on a les initiaux, si ça focus, les initiaux de Vapor Cloud, Weppenbogen et Dovpo. Les aérations, c'est beaucoup plus pour le style. C'est pour ça qu'ils vous donnent des wraps, parce que les batteries vont être apparentes par ces fentes, des fentes qui sont bien usinées. Le seul truc, c'est qu'il faut de temps en temps nettoyer avec une brosse, parce que ça prend toute la crasse. Le plateau, j'ai pas dit qu'il prend jusqu'à 30 mm et peut-être plus. Donc là, j'ai un 25, le Recoil Rebel. Qui laisse apparaître un peu le plateau 510. Et j'ai le Aries 30 mm pour lequel j'ai fait la review en 30 mm. Voilà. Je pense qu'on peut aller un peu plus qu'un 30. Il reste un peu de jeu là. Voilà. Il reste un peu de jeu là. Mais idéalement du 30 mm. J'enlève la taux. Et on va mettre des batteries à l'intérieur. Comme c'est mentionné, le plus ici, le moins là. La portière, j'aime bien, elle est bien fixée. Il y a deux glissières ici. Et une encoche là. Hop, il faut appuyer pour les ressorts. 5 clics pour l'allumer. En fait, on ne s'éteint jamais. Hein. On a le thème de Weppenbogen. J'aurais aimé un autre thème, mais bon, c'est facile. Il suffit de le mettre sur l'eScribe et le mettre son propre thème. Ne pas jouer avec parce que ce n'est pas la mienne. 5 clics. Comme d'habitude, un DNA tout simplement. Cantal, replay,
contrôle température, titanium, nickel, SS, Watt Boots. Bon, je reste tout le temps sur Watt et j'utilise rien d'autre. Donc voilà, juste une présentation à Piclo aussi sur une box. Autre chose, un petit détail, j'ai bien, c'est que on les oublie là. Un autre petit détail, gravé au laser, le logo de Oden ici. C'est très clean comme design. Et la forme hexagonale, j'adore. On remonte et je vous dis ce que j'en pense. De retour avec la Oden 250C. À Piccolo, c'est assez court, c'est normal, c'est pas anatomisé, on n'a pas un montage à faire ni rien. Je vous présente juste la box, les mensurations, voilà. J'ai oublié de dire que elle fait dans les 170 grammes, un peu, un genre, sans les batteries, je pense 170 grammes. Si je me trompe, la correction va être là, si je me trompe pas, il n'y aura pas de correction. DNA 250C, je vais pas vous le présenter, vous connaissez très bien, très bon chipset, un des meilleurs chipsets, tout comme un chipset, un Yihai ou, oui on dit Yihai, pas Yihi, Yihai ou l'autre, merde, Dicodes. La Oden existe en 250C dans les 170 euros et aussi elle existe en 100 watts, en 200 watts, c'est-à-dire chipset propriétaire de chez Dovpo, beaucoup moins cher vu que le DNA il coûte assez cher à l'achat. Le prix, je ne sais pas, mais bon, il est là. C'est une box pas mal. Du thé. Sa forme hexagonale, elle est très confortable à la main. Même si elle est très grosse. Vraiment, elle est grosse. Putain, j'ai oublié de faire un comparatif avec une autre box à peu près du même format. Form factor hexagonal, mais beaucoup plus petite. Une 18650. Dual 18650, c'est la Minikin. Voilà la différence de taille. Celle-là, elle est beaucoup plus confortable dans la main parce qu'elle est un peu plus petite. Mais là, on a 2,21 700. C'est normal que ça va être beaucoup plus gros. Donc, pour ma préférence, je me retrouve à ne pas utiliser l'index. Mais beaucoup plus mon pouce, je trouve que c'est beaucoup plus confortable pour moi parce que là je suis à court d'index. Voilà, il me reste que ça et d'habitude quand je fire en index c'est beaucoup plus avec mon articulation et pas avec mon doigt. Là il n'y a que l'extrémité de mon doigt qui arrive et donc je préfère le pouce. Quoique, même si elle est grosse, elle accepte le 30 mm. C'est pour ça que j'envisage dans le futur d'acheter une, la jumeler avec l'Aries en contenance 10 ml. Et voilà, j'ai un très bon setup pour la voiture. Les road trip, machin, j'ai pas besoin de remplir 10 ml. Je vais pas les consommer en voiture rapidement. Et la qualité de fabrication, pour les points plus, qualité de fabrication excellente. Bon, il y a quelques éraflures, mais je pense que si on prend soin, c'est un traitement durable. Genre, pas que ce genre de matos. Généralement, mon matos, il est dans ma poche droite, où il n'y a ni clé, ni pièce, ni rien du tout. Pour sa taille,
Elle n'est pas si lourde que ça. Oui, elle est plus lourde que la majorité des pots que vous allez trouver dans les commerces marocains. Peut-être c'est la plus grosse que vous allez trouver aussi. Mais l'avantage, c'est 2,21 700, le chipset DNA. Le chipset 200 watts aussi doit être bien. Je ne l'ai pas testé. Je n'ai aucune idée sur le chipset propriétaire de Dove Po. Mais je pense qu'il doit être aussi performant. Quoi d'autre à dire? Les vis sont apparentes, mais ça me dérange pas trop. Tout est black, donc on le voit pas. Les vis sont roux. Elles sont assez bien cachées. L'autre point plus, la trappe, elle est bien sécurisée. La trappe pour les accus. Voilà, je viens de l'éteindre. Les points négatifs, je sais pas à part sa taille, mais c'est pas un point négatif. Avant de l'acheter, vous savez que ce que vous allez acheter, c'est 2,21 700, 90 mm sur 51, 42. Donc vous savez déjà que c'est une box assez grosse. Mais néanmoins, j'ai pas vraiment de points négatifs. Vraiment. Pas de points négatifs. Weppenbogen a fait un très bon travail sur le design. J'aime bien les aérations, enfin côté esthétique là qu'il a fait. On voit les batteries. J'aime bien aussi le fait qu'elle soit livrée avec 12 wraps, 6 paires. Comme ça, on peut jouer au matchy-matchy. J'envisage d'acheter cette box dans le futur, une fois que mes finances me le permettent, en 250C. Voilà. Ah. Si la taille ne vous dérange pas, ni le poids, je vous la conseille. Franchement, je préfère ça à une Lost Vape, vu la qualité de fabrication des Lost Vape, laisse à désirer. Là, on est sur un bloc d'alu bien solide. Il n'y a pas de chinésium, alliage de zinc, machin, avec un cuir collé à la colle. Il n'y a rien de ça. Beaucoup plus sleek. Et en plus, elle prend les 30 mm, vos gros atouts. Les Lost Vape en 250C, c'est 26, 25 mm au top. Ça m'intéresse pas. Et depuis la paranormale, ils se ressemblent toutes paranormales, Centaurus, Telema, c'est la même chose pour moi. Alors, voilà. Sur ce, vive la vape libre et tchou!